nous étions avec le commissaire, je pense. Manfred ? Manfred ! Oh, coucou, Maud ! Ça me fait plaisir de te voir ici, ça fait longtemps, ça va ? Putain, mais je sais pas ce qui se passe avec ma carte son, elle est là. Je sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je sais pas si vous entendez quand ça l'arsène en fait. Je sais pas si c'est moi qui l'entends, et auquel cas c'est pas très grave, ou si vous l'entendez aussi, et auquel cas là ça m'énerve. Parce qu'en fait j'ai rien touché, pas d'habitude. Bon, c'est pas très grave. Je pense que je m'énerve pas grand chose. Il y a une machine à écrire là. On est où là? Bah... Ah oui, d'accord. Donc on est dans le magasin de machines à écrire, c'est ça? Ouais, je pense que c'est ça. Ok. Parle-moi, toi. Ngalo. Aïe, aïe, aïe. Parle-moi. Salut Manfred. Qui est là? Scott. Scott Shelby. Tu te souviens de moi? Scott. Oh Scott. Je suis un peu fatigué. Oui, je suis un peu irrité. Oh, ça fait plaisir de te revoir. Ça Et fait combien de temps? Oh. Et voilà. Une dizaine d'années, je suppose. Oh. À mon âge, le temps ne veut plus dire grand-chose. Je répare des horloges. Là, c'est peut-être mieux. Sauf qu'il va falloir que je parle bien dans le micro, j'imagine. Et toi, comment ça Nialo va? Toujours dans la police. Oh, non, j'ai raccroché. Je suis détective privé maintenant. Voici Lorraine, mon associé. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Oh. Voilà. Scott, ça alors, il faut qu'on fasse ça. Je dois avoir. Attends, bouge pas. Mais j'ai justement une bouteille de scotch quelque part. J'attendais l'occasion de l'ouvrir. Ok, ça va aller, je pense, pour la batterie. Sois gentil, Scott. Tu veux bien aller répondre et demander de rappeler cet après-midi. Attends, bien sûr, j'y vais. C'est où que je dois répondre? Pourquoi il me fait répondre moi? D'accord. Bonjour. Oui, vous êtes chez Manfred. Et il n'est pas disponible. Vous voulez bien rappeler cet après-midi? Merci. Rien n'a changé ici. La poussière et le tic-tac des horloges. Ça fait plaisir de revoir Manfred. Ça me rappelle le bon vieux temps. Quel est l'objectif en fait? C'est de le questionner, je suppose. Sur qui il a vendu des machines récemment. Allez, à nos retrouvailles. Vous avez pas de... Ok, mais tant mieux. Vous m'entendez bien là aussi? Parce que du coup j'ai baissé le gain. J'aurais voulu que tu jettes un œil à une enveloppe. Je voudrais savoir ce que tu peux me dire sur la machine à écrire qui a tapé l'adresse. Voyons ça. Tu veux bien aller me chercher la loupe qui est juste derrière le comptoir, s'il te plaît. Bien sûr, j'y vais. Mes yeux ont tendance à me trahir ces temps-ci.
Le tic-tac, ça me stresse. Ça m'angoisse. Merci. Voilà, voyons ce que cette enveloppe va bien vouloir nous dire. Une Royal 5. Oui, la forme des D et des F est typique de cette machine à écrire. Produite entre 1907 et 1924. Et aucun doute, c'est bien une Royal 5. Ok. Et à qui t'a vendu ce type de machine, du coup? Les machines à écrire, elles sont rares. Non, non, on en trouve assez facilement. Ah, il doit y en avoir plusieurs centaines dans le pays. La plupart dans des caves ou des greniers. Garde une trace de tes clients? Oh oui, bien sûr. En tout cas de ceux qui m'ont payé. Est-ce que je pourrais y jeter un œil? Oui, on... oui, bien sûr. Ça. Je garde tous mes livres de compte dans le bureau. Si tu n'es pas trop pressé, je possède la liste de tous les clients qui ont acheté une Royal 5 ou qui l'ont fait réparer. Si tu veux bien regarder, ça nous aiderait beaucoup. Si je peux t'aider, donne-moi deux minutes. Ah, peut-être, et je reviens avec plus, la liste. Peut-être que c'est plus pertinent de regarder ceux qui sont venus récemment la faire réparer. Vous pensez que le tueur est passé par ici? Il a une machine à écrire des années 20, il est possible qu'il ait besoin des services de Manfred pour la réparer. Mais c'est ça, ouais. On verra quand on aura la liste. Vieille. Comme ça. Le nom du tueur se trouve peut-être dans les papiers de Manfred. Ça fait un moment que Manfred est parti dans son bureau. Je devrais peut-être aller jeter un coup d'œil. Oh, comment ça, comment ça, comment ça? Ça fait un moment que Manfred est parti dans son bureau. Je devrais peut-être aller jeter un coup d'œil. Lorraine croit qu'on est sur le point de retrouver le tueur. J'ai peur qu'elle soit déçue. Comment ça? Il s'est passé Allô? Quelque chose dans son bureau? Allô? J'ai bien enregistré votre appel, monsieur. Une voiture de police va arriver dans quelques minutes. J'ai besoin de prendre votre identité, monsieur. Monsieur? Allô? C'est quoi? Mais attends, la fenêtre est ouverte, c'est ça? Ok. Scott! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que vous faites? J'appelle la police. Le tueur s'en est déjà chargé pour vous. Je crois qu'il veut nous faire porter le chapeau. Il faut qu'on se tire vite d'ici. Qu'est-ce que vous voulez dire? On n'a rien à voir avec sa mort, on était juste là quand ça s'est produit. Il me reste peu de temps pour retrouver Sean Mars. Je peux pas perdre 24 heures au poste à expliquer que j'ai rien à voir avec la mort de Manfred. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On se casse. On cache le corps. Surveillez l'entrée, je m'occupe d'effacer les empreintes sur tout ce qu'on a touché depuis qu'on est entré. Mieux vaut faire vite, la police va pas tarder. Il va falloir que j'oublie rien, j'imagine. Oh putain. Oh putain. Alors, on a touché mon téléphone. On a touché la loupe. Je sais plus si on a touché la bouteille, on a touché le verre, ça c'est sûr.
Mais quoi? On a touché le verre. On a touché la loupe. On a touché peut-être la bouteille, alors je ne sais pas, je ne sais plus. Autant la nettoyer. Je ne sais plus, autant le nettoyer, autant pas le nettoyer, je sais pas. Elle a touché ça, elle. Franchement, on va nettoyer le verre, hein, si on peut. Comme ça, on est sûr qu'on va tout nettoyer. Arrête de te balader partout, tu me stresses. Touche pas, touche à rien. Scott, vous en avez encore pour longtemps? Je sais pas, je sais pas. La police va arriver d'une seconde à l'autre. J'ai presque terminé. Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai touché encore? Attends. Là, il y avait un truc, là. Je sais plus. Putain, mais... Faut arrêter avec les changements de caméra. Je suis en stress, je suis en panique. Parce que j'ai oublié un truc. Le téléphone ici. Le téléphone ici. Oh là là, je vais l'oublier. Ok, je pense que c'est bon. La fenêtre. La fenêtre! Ok, normalement c'est bon. Je pense que c'est bon. Le corps, je peux pas le... Ok, le corps, je peux pas, visiblement. Je pense que je peux pas. Bon, ben on se casse. Cassons-nous! C'est bon, on peut partir. Vous avez effacé toutes les empreintes? Je crois. J'ai fait de mon mieux. Ça devrait suffire pour qu'on puisse pas nous retrouver. Allez, on s'en va. Mais non, j'ai oublié la poignée de l'entrée de la porte. J'ai oublié la porte d'entrée.